Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouvel épisode dans lequel on va vous montrer comment vous pouvez modifier et contrôler l'alias fiscal. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, dans états comptables et fiscaux, l'alias est calculé automatiquement grâce à des formules prédéfinies. En plus de modifier les montants sur l'alias, Laetitia va nous montrer qu'il est possible de paramétrer les formules et de lancer des contrôles avant de télétransmettre notre alias à l'administration fiscale. Je vous propose donc qu'on la retrouve tout de suite. Les formules présentes dans l'alias fiscal vont te permettre de calculer automatiquement les rubriques de l'alias. Un paramétrage standard, conforme au cahier des charges et des FICA, t'est proposé. Mais tu peux modifier ce paramétrage en fonction de tes besoins. Tu peux modifier les montants directement sur ta alias. Les montants que tu auras forcés apparaîtront de couleur bleue. Mais tu peux visualiser le paramétrage de la rubrique afin d'effectuer des modifications. Dans ta alias, tu vas sélectionner la formule que tu souhaites adapter et ensuite tu cliqueras sur le bouton rubrique atteindre. Dans l'onglet identification, tu vas y retrouver le code de la rubrique, le type ainsi que son intitulé. Tu y verras des informations sur les paramètres de saisie, le type de valeur qui est autorisé, la longueur minimum et maximum. Ainsi, tu auras également des informations complémentaires qui te permettront, si tu le souhaites, de verrouiller la rubrique en saisie, l'exclure des contrôles de fourchette ou tout simplement reporter la valeur saisie d'un exercice vers un autre. Dans l'onglet formule, tu peux y voir les fourchettes de compte qui sont prises en compte dans le calcul. C'est ici que tu vas pouvoir effectuer ton paramétrage en y intégrant un nouveau compte ou une nouvelle fourchette. Par exemple, dans l'annexe « Détail des produits à recevoir », tu peux insérer une formule dans la zone des montants afin d'y calculer automatiquement la valeur en fonction de ta balance. Tu peux intégrer une formule soit en utilisant la bibliothèque de fonctions qui t'est proposée, soit en la saisissant directement manuellement. Une formule doit automatiquement commencer par le mot « résultat ». Ensuite, en fonction si ton montant sera un compte débiteur ou créditeur, tu ajusteras ta formule en y intégrant le signe « moins » et tu vas pouvoir utiliser une fonction pour reprendre la fourchette de compte. Donc moi, je vais utiliser la fonction « solde » du compte 418 à 418ZZZ, tu peux mettre jusqu'à ZZZZ afin de pouvoir tenir compte de tous les comptes alphanumériques. Et automatiquement, tu peux voir que le montant est calculé en fonction des comptes qui sont présents dans ta balance. Une fois que tu as effectué toutes tes modifications dans l'alias, tu dois lancer le contrôle de cohérence par le bouton « Contrôle » et « Cohérence ». Un contrôle de cohérence s'effectue automatiquement à chaque lancement de ta alias fiscale, mais tu peux également le lancer manuellement par ce bouton. Il te permet de détecter des anomalies au niveau de ta alias. En rouge, ce sont les contrôles bloquants, qui n'ont pas encore été vérifiés, qui bloqueront la télétransmission de l'alias. En bleu, ce sont des contrôles informatifs qui n'ont pas encore été vérifiés. Et si tu coches la case « Afficher les contrôles vérifiés », tu auras également des contrôles en vert qui seront tout simplement ceux qui ont déjà été vérifiés. On va d'abord regarder le contrôle bloquant. Tu sélectionnes, puis ensuite tu cliques sur le bouton « Ouvrir ». Et là, il nous dit qu'il teste le résultat de la rubrique 2050.gj au résultat de la 2051.ee. Donc il contrôle l'actif et le passif du bilan et qu'il y a un déséquilibre. Vous devez aller contrôler ces rubriques. Si je me positionne sur mes feuillets, je peux déjà savoir que là, le déséquilibre que j'ai vient de la modification manuelle que j'ai procédée tout à l'heure. Vous avez deux solutions, soit
le montant que vous avez saisi est correct, donc vous devez l'équilibrer dans le passif, soit vous annulez la modification que vous avez effectuée en utilisant annulation, modification manuelle de cette cellule. Et il recalcule le montant en fonction de la balance. Si je relance mon contrôle, je n'ai plus de déséquilibre sur le bilan. Si je vais contrôler un contrôle informatif, par exemple le montant de provision pour dépréciation sur des comptes clients, je l'ouvre, il m'informe qu'il fait un test de comparaison entre l'addition des rubriques 2056WA, 2056WW et 2056SQ qu'il compare au résultat trouvé sur la 2056.YJ. Donc je vais aller me positionner sur ce feuillet, donc le 2056, pour visualiser le code des rubriques. Vous cliquez tout simplement sur le menu rubrique en haut et vous sélectionnez référence. Et là, vous retrouvez facilement le code des rubriques. Ma rubrique YJ, sur lequel j'ai une incohérence, se retrouve ici. Je vais annuler les références pour aller visionner l'information. Quand je regarde mon tableau, sur la ligne des comptes clients, je vois que j'ai un montant en début d'exercice de 902,19 €, mais que en fin d'exercice, effectivement, je n'ai aucun montant. Soit dans la balance que vous avez intégrée, les comptes comptables qui permettent d'équilibrer ce feuillet n'ont pas été intégrés. Donc vous pouvez soit corriger votre balance, soit saisir directement l'information sur l'alias. Donc ici, au niveau fin des diminutions, je vais rajouter mon montant. Ce qui fait que j'ai bien au départ 902,19 €, une diminution de 902,19 €, ce qui me donne un résultat de 0 en fin d'exercice. Si je relance mon contrôle, je vois que je n'ai plus d'erreur sur les comptes clients des provisions. Donc vous devez continuer à vérifier les autres erreurs, tout en sachant que les erreurs présentes ici ne sont pas bloquantes et te permettront de télétransmettre tout même ta alias. Une fois que tu as tout vérifié, tu pourras télétransmettre ta alias. Si tu veux des informations complémentaires sur les contrôles de cohérence de l'alias, tu peux consulter la fiche 71503 dans la base de connaissances. N'oublie pas, Baptiste, que tu as ici une vignette campagne fiscale que nous actualisons régulièrement de toutes les nouvelles informations. Dans État comptable et fiscaux, tu as également accès dans l'Intusage à de nombreux accès au Hub Service. Tu peux aller dans l'aide en ligne pour faire des recherches, continuer à approfondir tes connaissances dans la base de connaissances, te former sur Sage University ou tout simplement partager avec d'autres utilisateurs sur le forum SageCity ou converser avec des techniciens sur le chat. À très bientôt, Baptiste. Merci beaucoup Laetitia, grâce à toutes tes explications, on a pu voir que c'était pas si compliqué de pouvoir modifier et contrôler sa alias. Comme d'habitude, si vous continuez à rencontrer des problèmes, n'hésitez pas à nous faire remonter toutes vos interrogations dans la partie commentaires de cette vidéo. On arrive déjà à la fin de cette nouvelle vidéo, merci à tous de nous avoir suivis, on espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à nous mettre un like. Bon, comme d'habitude, je vous rappelle qu'on est très actifs sur Twitter, donc allez suivre le compte SageSupportFR, vous allez voir, il y a beaucoup de contenu qui pourrait vous intéresser. Et pour finir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun de toutes les prochaines vidéos. Vous allez voir, ça va arriver très très vite. Donc abonnez-vous et surtout, activez vos notifications pour ne rien rater. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, on se dit à très vite.